faire pisser les miens. Attends, hé. Attends. Ah, ah, ça va mieux. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unisme dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Tagadada. Voilà. Alors donc, comment grêtons une planche? Nous avons deux experts parmi nous qui ont l'habitude du tourduf et qui vont apprendre aux bisounours. Moi, je connaissais qui vont venir. Mais c'est peut-être la femme de Gréton. Donc, et moi c'est Garbo. Pour gréer une planche, que doit-on avoir? Une ficelle. Une ficelle et un masse-foot. Ok. Un pied de mât. Yes. Ok. Et là, vous avez le gréeur, ici présent. L'engin à gréer. Oh non, bah non. Voilà. Ah mais non, non, non. C'est pas l'engin à gréer quand même. Donc, l'engin à gréer est composé d'un élément en deux parties. Susnommé. C'était une blague. Le haut du mât que nous allons introduire dans le chiffon. Dans le chiffon dans lequel vous avez un interstice. Alors, vas-y Patrick, ouvre l'interstice. This is the fourreau. Voilà. Nous introduisons le morceau de bois dans vas-y. L'interstice. Oui, pousse, pousse. Oh, pousse encore. Encore. Ah. Attention, attention. Après, oui, détail technique très important. Il y a Cambert. Il y a le Cambert. Alors le Cambert, nous devons passer le mât sur le Cambert, n'est-ce pas? Afin de clipser le mât par-dessus le Cambert. Voilà, nous avons le second Cambert. Même tarif, même punition. J'aide mon copain. Hein. Nous continuons l'introduction. Attends. Bon, il faut que tu clipses le petit piton dans le petit trou. Oui, ben, pousse. D'accord, mais il faut que je mette le pied de maman. Donc, nous avions mis de côté le masse-foot. Que nous allons introduire dans l'élément que nous avons préalablement introduit dans le chiffon. T'es prête? Aïe! Ah, hop, quart de tour. Attention, alors là, la position caractéristique de celui qui va se les prendre. Donc à ce moment-là, la ficelle qui jusqu'alors ne servait absolument à rien. Ouais, mais attends! Eh, là on est à la télé, donc tu me contredis pas, s'il te plaît. Donc, nous allons dans les petites roulettes en inox adéquate. Bah, tu vois, je t'avais dit. Nous allons. Ah, zic, c'est mes cheveux. Créer le palan qui va nous permettre de manière très aisée. En français dans le texte, étarquer le morceau de chiffon sur le morceau de carbone. N'est-ce pas? Et là, j'ai fait des nœuds. Oh my god! Mais je t'explique. Ah non, il y a la télé. Mais il paraît que c'est Gérard Rolls. Attends, Mike, je suis là. Il y a Gérard Rolls qui est là. Aïe. Ah non, ouais, j'ai fait que des conneries. Coupez! Ce sera coupé au montage, ne vous inquiétez pas. Mais non, pas le filtre! Mais caméraman, tu t'occupes de ta caméra? Mais je t'en pose des questions. Je t'ai demandé une leçon théorique pour les bisounours qui vont venir au tourduf. On est en train de te montrer ce qu'il faut pas faire maintenant. Ah, c'est pas mal, ouais, mais c'est voilà. Bien ça. Ce qu'il ne faut pas faire, vous l'avez vu. Ce qu'il faut faire, vous le voyez maintenant. Voilà, je suis pas bien encore. Et c'est vrai, voilà, c'est où. Bah, si tu es bien, attends. De toute façon, et là, il nous faut un bœuf. Un bœuf. Un bœuf, c'est un animal qui tire tout n'importe comment. J'ai un bœuf sous la main. Alors attendez, j'ai un bœuf sous la main. Non. Voilà, un petit bœuf. Ah, un petit bœuf, ça te va? Allez, petit bœuf, s'il vous plaît. Un petit bœuf. Tu t'assieds. Qui va faire le mouvement caractéristique. Sur tes fesses. Alors attends. Là, nous enlevons ce qui va nous permettre de rejoindre l'os de sèche. L'os de sèche est emballé, là, je le vois encore. Alors, attends. Et là... Attends. Leçon théorique number 2. Nous allons faire un nœud de chaise.
Alors, c'est très important, le nœud de chaise, le son du nœud de chaise. Que nous ne fermons pas, afin de pouvoir... Donc tu vas pouvoir introduire ta main à l'intérieur et tirer dessus. Vas-y. Vas-y, va. Et tu prends, là, voilà. Et tu tires sur ton... Voilà. Et là, ce mouvement si caractéristique... Voilà, et les abdominaux, les abdominaux du bœuf moyen, n'est-ce pas? Le petit bœuf, c'est Red Bull, bloques, lui, tu bloques. Hein. Voilà. Non, j'ai pas ça, Pierre, je suis désolé. Voilà, et on va pouvoir... Ouais, non, 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 Pierre, mon dos, là, je suis... Essaye au camion. Ils ont des... Il y a du grain là-dedans. Ah, ouais, ouais. Je sais pas si on a des boutons. Alors là, maintenant, c'est gros bœuf, là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas tirer avec son dos, c'est, tirer, c'est pousser avec ses jambes. C'est pour ça que c'est petit au début, tu vois. Hop, slack. Alors c'est normal, c'est le matériel à Patrick. Non, c'est vrai qu'il faut, bon, c'est... Donc là, c'est l'opération... Claquage de cambé. Claquage de cambé. T'as entendu le clac? Ça fait clac. Ouais, mais là, je voulais pas réveiller tout le monde. Faut fermer les braguettes de cambé. Faut fermer les braguettes de cambé. On ferme les braguettes de cambé. Il faut quoi? Il faut claquer les cambés. Oh, oh, il m'a claqué le cambé droit. Jésus, viens prendre la gauche. Heureusement qu'il n'y en a pas 5 des cambés. Ah, faut tirer comme un bœuf. Hey, tu l'as fait trop loin, toi. Il n'y a pas beaucoup donc, de gens, nous en sommes à là maintenant. Notre nous avons fini d'adapter le chiffon au morceau de bois. Le morceau de bois introduit dans le chiffon, positionné avec ses cambés, et la voile de manière étarquée de manière adéquate. Maintenant, on va mettre le reste de la charpente. Une grosse poupoute qu'on appelle le wesh. Alors, donc nous allons reprendre notre leçon maintenant que le chiffon est sur son bout de bois. Il reste le wishbone que nous allons positionner. Voilà, qui constitue le reste de la charpente. C'est pas la charpente. Alors de je vous montre la charpente. La mature, la mature. Une charpente, un petit hein. Oh. La, hein, pardon. Oui. La charpente. Voilà, la charpente. La piscine. Donc, c'est charpenter. Là ou c'est là. Là, il faut mettre des petits bouts de ficelle dans le petit interstice ici. Et après, on serre avec la poignée en réglant bien la hauteur en fonction de la taille de l'athlète. Ça doit faire mal quand ça fait claque. Surtout quand tu te les prends dedans, oui. Alors ensuite, à l'autre bout de la charpente, nous allons relier le chiffon à la poupoute. Alors, par contre, il faut... Docteur Poupoute, est-ce qu'il faut que je règle le Zimmel buzz, là? Ouais, il faut que le chiffon touche à peine la poupoutre. Bon, là, ça... Là, bah non, le chiffon est dessus, là. Ah oui, alors, donc il faut rallonger. Nous avons le clipsage électronique, donc ici, réglé avec un processeur Intel 386 XW3 à 3 gigabits de mémoire et 192 gigaoctets de disque dur. Ouais, mais non, claque. Non. Non, pas bien. Non, mais attends, franchement... T'as pas fait le bruit du X3 3 gigabits. Oui, mais alors, faut que tu... Attends. Ah, pardon. Bah vas-y, non, mais vas-y. Ah oui, mais faut faire... Réglage effectué. Bidi. Reliage du chiffon à la popote. En bas, en haut. Posage ficelle dans trou. Mais pas en bas, en haut. Ah, toi, besoin de puissance? Bah oui. Bon, d'accord. Ici, nous avons deux options. Nous avons faible, puissant. Lui, puissant. Ouais. Nous, choisir trou, puissant. Ok. Ah, écoutez, trou, puissant. Trou, puissant, écoutez. Fit. Comme en bas du morceau de bois qui relie le chiffon. Je ne me rends pas compte, mais il est en train de me gréer ma voile. Il ne faut pas se tromper dans l'agencement du palan. Le palan n'est pas un garçon pas rapide. C'est pas à moi qu'il faut causer, c'est là. Cause là. C'est là que ça se passe. Tu vois, là, c'est là. C'est là je peux dire bonjour à ma maman. Dis bonjour à maman. Maman, je suis pas perdu. Je suis là avec Patrick. Bon, pourrait pas être un peu sérieux, là, refaire ce que tu vous avez tout, là. Si tu mets le briquet en dessous de ton palan, ça s'appelle un palan grillé.
pardon. Donc nous en sommes... Donc, ficelle. Lui, besoin de puissance. Costaud, Schwarzy, voilà. Trou du haut, très puissant. Voilà. Oh. Repassage. Dans le petit trou. Ah, moi trembler, moi pas trouver trou. Ah, toi boire trop vin. Non, moi c'était laid. Ah oui. Émotionné. Ah oui, émotionné. Hop, ah, il est là. Regarde, attention, on recommence. Rien. Avec, oui. Hop, on recommence. Okay. Rien. Flipping. Hop. Non, on prend ficelle. Hop, nous repassons, n'est-ce pas, sur l'extérieur. Nous avons la gorge ici. Profond. Gorge profonde. Zig, attention. Même phénomène. Okay. Même phénomène. Hop, hop. Attends. On recommence. Attends, on la refait. Hop, hop, hop. 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 Ouais. Bah... La chasse au tibou. Nous arrivons presque au bout. Nous avons toujours le fameux petit bout que n'a passé dans tous les petits bouts. Nous repassons dans le petit trou. Aïe. Et nous repassons ici et là. À ce moment-là, nous arrivons au bout. Nous avons le clam-clit. Un clam-clit. Clam-clit. Un paquet toinceur. Clam-clit. Petit bout. Et là, la finition. Hop, 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 hop. Voilà. Et... Donc, vu le temps, on va juste... Réglage adéquat. Je ne touche pas l'os de poulet avec le chiffon. Juste... Donc là, et j'assure la fin de mon palan par deux demi-claques appelées 10 nœuds de cabestan, n'est-ce pas? Mais trop court, donc pas de nœuds de cabestan aujourd'hui. Voilà. Ce montage vous a été offert par l'association FW France Whisky.